je le mien. Mais si votre hôtesse a des égards pour moi, c'est qu'il me sied plus qu'à vous. Pour quelle raison? Parce que moi, je suis le marquis de Forlipampoli. Et moi, je suis le comte d'Almazurita. Comte, assurément, vous avez compté acheter. Mais j'ai acheté mon comté quand vous avez vendu votre marquisat. Prisons-la. Je suis qui je suis et l'on me doit le respect. Bon. Ne vous a-t-on jamais manqué de respect? C'est vous-même qui parle à liberté de vos propos. Je suis descendu dans cette auberge parce que j'aime l'aubergiste. Tout le monde le sait et tout le monde doit respecter une jeune femme qui me plaît. Oh, ce me dit rien de plus plaisant. Voudriez-vous m'interdire d'aimer Mirandoline? Pourquoi croyez-vous que je sois à Florence? Pourquoi croyez-vous que je me trouve dans cette auberge? Fort bien, vous n'arriverez à rien. Moi non et vous si. Moi oui et vous non. Je suis qui je suis. Mirandoline a besoin de ma protection. Mirandoline a besoin d'argent et non de protection. L'argent, ce n'est pas ça qui manque. Moi, monsieur le marquis, je dépense un sequin par jour et je lui fais constamment des cadeaux. Moi, ce que je fais, je ne vais pas le dire. Oh, vous ne le dites pas, mais on le sait bien. On ne sait pas tout. Mais si, cher marquis, on le sait. 3 malheureux paoli par jour, les domestiques le disent. Oh, à propos de domestiques, il y a un certain valet de chambre du nom de Fabrice qui ne me revient guère. Notre hôtesse, me semble, le regarde d'un fort bon œil. Elle veut sans doute l'épouser. Ce ne serait pas une mauvaise chose. Voilà 6 mois qu'elle a perdu son père. Une jeune femme seule pour à la tête d'une auberge ne peut qu'aller au-devant des embarras. Pour ma part, je lui ai promis, si elle se marie, 300 écus. Si elle se marie, moi qui suis son protecteur, je ferai jamais. Je sais bien ce que je ferai. Réglons l'affaire, mon bon ami. Donnons-lui chacun 300 écus. Moi, ce que je fais, je le fais en secret. Et je ne me vante pas. Je suis qui je suis. Oula, quelqu'un. Il est sur la paille. Pauvre et glorieux avec ça. Je suis à vos ordres, monsieur. Monsieur, qui t'a appris les bonnes manières? Pardonnez-moi. Mais dites-moi comment va votre charmante patronne. Elle va bien, illustrissime. Elle est levée? Oui, illustrissime. Espèce d'âne. Pourquoi illustrissime? Que vient faire cette illustrissime? C'est le titre que je viens de donner à cet autre gentilhomme. Entre lui et moi, il y a quelques différences. Mais vous entendez? Il dit vrai, il y a une différence. Je m'en aperçois dans mes comptes. Dis à ta patronne de venir me trouver, j'ai à lui parler. Oui, excellence. Me suis-je trompé cette fois? C'est bon, mais ça fait 3 mois que tu sais comment m'appeler, mais tu es un impertinent. À vos ordres, excellence. Veux-tu savoir la différence qu'il y a entre le marquis et moi? Que voulez-vous dire? Tiens, je te donne un sequin. Débrouille-toi pour qu'il t'en donne un autre. Illustrissime, merci. Excellence. Je ne suis pas de ces fous qui jettent leur argent par les fenêtres, patin. Illustrissime, que le ciel vous bénisse, excellence. Il n'a pas le souverain hors de chez soi quand on veut être estimé. Ce n'est pas des titres qu'il faut, ce qu'il faut, c'est de l'argent. Vous pensez peut-être l'emporter sur moi avec vos cadeaux, mais vous n'arriverez à rien. Mon rang vaut plus que tout votre argent. Oh, moi, ce que j'apprécie, ce n'est pas ce qu'il vaut, c'est ce qu'on peut dépenser. Mais dépenser à tout va, Mirandoline ne vous a pas dans son estime. Avec tous vos quartiers de noblesse, croyez-vous qu'elle vous estime davantage? Ce qu'il faut, c'est de l'argent. Ce qu'il faut, c'est une protection. C'est être à même capable de rendre un service. Assurément. Être à même à l'occasion de prêter 100 doublons. Ce qu'il faut, c'est se faire respecter. Dans l'argent ne manque pas. Tout le monde vous respecte. Ah, vous ne savez pas ce que vous dites. Je m'y connais mieux que vous. Mes amis, quel est ce tapin? Vous aurez-il quelque différent entre vous? Nous débattons d'une question de la dernière importance. Le comte, débat avec moi du mérite de la noblesse. Je laisse à la noblesse tout son mérite, mais je soutiens que pour se passer quelques fantaisies, il faut de l'argent. En vérité, mon cher marquis. Allons, parlons d'autre chose. Comment êtes-vous arrivé à vous tourner de la sorte? Pour la raison la plus ridicule du monde. Ah oui, dame, le comte tourne tout en ridicule. Moi, monsieur le marquis, est amoureux de notre hôtesse. Moi, je l'aime aussi. J'espère l'obtenir comme une récompense pour mes attentions. La querelle ne vous semble-t-elle pas ridicule? Encore faudrait-il connaître avec quel cœur je la protège. Il la protège, mais moi, je perds. En vérité, peut-on se disputer pour une raison qui envahit moins la paix? C'est une femme qui sème en vous le trouble et la perturbation. Qu'est-ce qu'il me faut pour entendre? Une femme. Pour moi, pas danger que j'ai des mots avec quelqu'un au sujet d'une femme. Je ne les ai jamais aimées. Je ne les ai jamais estimées.
J'ai toujours pensé que la femme était pour l'homme une insupportable infirmité. Oh, quant à cela, Mirandoline a un mérite extraordinaire. Mais jusque-là, monsieur le marquis a raison. La charmante patronne de notre auberge est vraiment adorable. Si moi je l'aime, vous pouvez m'en croire, c'est qu'elle a quelque chose de peu ordinaire. En vérité, vous me faites rire. Que peut-être donc avoir de si exceptionnel que les autres femmes n'ont pas? À part son noble maintien, vous êtes enchaîné! Elle est belle, elle parle bien, elle s'habille avec élégance, elle a un goût parfait! Tout cela ne vaut pas les cafards d'un chien. Il y a 3 jours que je suis descendu dans cette auberge. Elle n'a fait sur moi aucun effet. Bah regardez-la mieux, et peut-être trouverez-vous en elle quelque chose de bien. Je l'ai bien regardée, c'est une femme comme les autres. Mais elle n'est pas comme les autres! Elle a quelque chose de plus. Moi, qui ai fréquenté les plus grandes dames, je n'ai jamais trouvé aucune femme qui unisse autant qu'elle. Oh, bonne manière et sens de la dignité. Ventre bleu, le commerce des femmes, moi, j'en ai toujours eu l'habitude. Et je connais leurs défauts et leurs faiblesses. Et pourtant, malgré le cours assidu, malgré tout ce que j'ai dépensé, j'ai jamais réussi à lui toucher le bout du doigt. Artifice que tout cela. Du très grand art. Pauvre sot. Vous faites confiance aux femmes. Ce n'est pas moi qui serai leur dupe. Les femmes, au large, tout le temps qu'elles sont. Mais n'avez-vous jamais été amoureux? Jamais. Pourtant, on a fait les pieds et les mains pour me faire prendre femme. Mais je m'y suis toujours refusé. Mais vous êtes le dernier de votre lignée. Ne voulez-vous pas songer à votre succession? J'y ai plusieurs fois songé. Mais quand je considère que pour avoir des enfants, il me faudrait supporter une femme, l'envie m'en passe aussitôt. Et que voulez-vous faire de votre fortune? Avec le peu que j'ai, prendre du bon temps avec mes amis. Oh, bravo, chevalier, bravo! Nous en prendrons ensemble. Et aux femmes, vous ne voulez rien? Absolument rien. Pas question de me laisser manger la laine sur le dos. Messieurs, je suis votre servante. Lequel d'entre vous m'a fait appeler? C'est moi qui vous ai fait appeler, mais pas ici! Où donc, votre excellence? Dans ma chambre. Dans votre chambre. Si vous avez besoin de quelque chose, mon valet de chambre est à votre disposition. Que dites-vous de cette réserve? Ce que vous appelez de la réserve, moi je l'appellerai de l'impudence, de l'impertinence. Cher Mirandoline, moi je vais vous parler publiquement sans que vous preniez la peine de venir dans ma chambre. Regardez bien ces boucles d'oreilles. Est-ce qu'elles vous plaisent? Elles sont fort belles. Et ce sont des diamants, savez-vous? Oh, mais je le vois bien, je m'y connais moi aussi en diamants. Ils sont à votre disposition. Cher ami, c'est du gaspillage. Pourquoi voulez-vous m'offrir ces boucles d'oreilles? Voilà, bien beau cadeau, assurément. Elle en a qui sont 2 fois plus belles. Celles-ci ont une monture à la mode. Je vous prie de les accepter pour l'amour de moi. Oh, le fou. Non, vraiment, monsieur. Si vous ne les acceptez pas, vous me fâcherez. Je ne sais que dire. J'ai à cœur de conserver l'amitié des clients de mon auberge. Pour ne pas fâcher monsieur le comte, je vais donc les accepter. Oh, la bandarde. Que dites-vous de cette promptitude d'esprit? Drôle de promptitude d'esprit. Elle croque vos diamants sans même vous dire merci. En vérité, monsieur le comte, vous êtes acquis à bien grand mérite. Faire publiquement un cadeau à une femme, par pure vanité. Oh, Mirandoline, je veux vous parler entre 4 yeux, de vous à moi, car moi, je suis un gentilhomme. Quelle gueuserie, pas de danger qu'un sou tombe de sa poche. Si ces messieurs n'ont plus rien à me demander, je vais me retirer. Un moment, patronne. Le linge que vous m'avez donné ne me convient pas. Si vous n'avez rien de mieux, je m'en procurerai d'autres. Monsieur, vous en aurez de meilleurs. Vous allez être servi, mais vous pourriez, ce me semble, le demander un peu plus aimablement. Quand je paie avec mon argent, je n'ai pas besoin de faire de manière. Excusez-le, c'est l'ennemi juré des femmes. Je n'ai pas besoin d'être excusé. Pauvres femmes, qu'est-ce qu'elles vous ont fait? Pourquoi être si cruelle avec nous, monsieur le chevalier? En voilà assez! Cessez ces familiarités avec moi. Changez mon linge, je l'enverrai chercher par mon domestique. Mes amis, mes hommages. Quel sauvage! Je n'ai jamais vu son pareil! Oh, cher Mirandoline, tout le monde ne connaît pas votre mérite! En vérité, je suis tellement écœurée de ses mauvais procédés que je vais tout de go lui donner son congé! C'est ça! Mais s'il ne veut pas s'en aller, dites-le moi, je le ferai partir immédiatement. N'hésitez pas à user de ma protection! Quant à l'argent que vous allez perdre, j'en ferai mon affaire! Je paierai tout! Écoutez, renvoyez aussi le marquis! Je paierai! Merci, messieurs, merci. J'ai assez d'esprit pour dire à un voyageur que je ne le veux plus chez moi. Pour ce qui est de mes intérêts, sachez que je n'ai jamais une chambre vide. Illustrissime, il y a quelqu'un qui vous demande. Sais-tu qui c'est? Je crois que c'est un joaillier. Mirandoline, prudence, votre place n'est pas ici. Ah oui, il doit me montrer un bijou. Mirandoline, je veux qu'on assortisse ces boucles d'oreilles. Non, monsieur le comte. Et vous méritez mieux encore, et pour moi la
l'argent ne compte pas. Je vais voir ce bijou. Au revoir, Durandolive. Monsieur le marquis, je vous salue. Oh, maudit con, il est tuant avec son argent. Non, en vérité, c'est trop d'embarras, monsieur le comte. Ces gens-là n'ont que 4 sous, mais ils les dépensent par vanité, par blanc-viole. Oh, je les connais bien, je sais le train du monde. Et moi aussi, je sais le train du monde. Ces gens-là se figurent que des femmes comme vous se gagnent avec des cadeaux. Ah, les cadeaux ne font pas mal au ventre. Moi, je prendrais vous faire une injure si je cherchais à vous obliger par des cadeaux. Oh, certes, monsieur le marquis ne m'a jamais fait injure. Et des injures de ce genre, je ne vous en ferai pas. Oh, je suis absolument convaincue. Mais si je peux, je suis à vos ordres. Encore faudrait-il que je sache ce que vous pouvez, Excellence. Je peux tout. Mettez-moi à l'épreuve. Mais quoi, par exemple? Oh, sapristi, vous avez un limite qui surprend. Vous êtes trop bon, Excellence. Vous me feriez dire des sottises. Pour un peu, je maudirais d'être une excellence. Pourquoi, monsieur? Il y a des moments où je souhaiterais me trouver dans la situation du comte. À cause de son argent, sans doute. L'argent? Non, je m'en soucie comme d'une guigne. Non, si j'étais comme lui, un comte, pour rire. Que feriez-vous? Par tous les diables. Oh, je vous épouserais. Qu'ai-je donc entendu? Son Excellence, monsieur le marquis de la Gueuserie, m'épouserait. Et pourtant, s'il voulait m'épouser, il y aurait une petite difficulté. C'est que moi, je ne voudrais pas de lui. J'aime le rôti, mais de son fumet, je n'ai que faire. Si j'avais dû épouser tous ceux qui ont demandé ma main, ah là là, j'en aurais des maris. Tous ceux qui descendent dans cette auberge s'amouragent de moi. Oui, tous, tous jouent les amoureux transis. Et je ne compte plus tous ceux qui me proposent toutes gouttes les épouser. Et voilà ce chevalier, cet ours mal léché qui me traite sans ménagement. C'est bien le premier voyageur qui soit arrivé dans mon auberge sans prendre plaisir à s'entretenir avec moi. Je ne prétends pas que 12 de prime saut doivent tomber amoureux, mais me mépriser de la sorte, c'est m'échauffer furieusement la pipe. C'est l'ennemi des femmes, il ne peut pas les voir, pauvre fou. Il n'a sans doute pas encore trouvé celle qui saura s'y prendre, mais il la trouvera, il la trouvera. Qui sait s'il ne l'a pas déjà trouvé? C'est justement avec des individus comme lui que je me pique au jeu. Ceux qui me courent après ont vite fait de m'ennuyer. La noblesse, ce n'est pas pour moi. La richesse, je l'estime, mais pas plus que ça. Tout mon plaisir consiste à me voir servi, courtisé, adoré. C'est là mon point faible, et c'est celui de presque toutes les femmes. Me marier? Je n'y songe même pas. Je savoure ma liberté, je vis honnêtement. Je commerce avec tout le monde, mais je ne m'éprends jamais de personne. J'entends bien me moquer de toutes ces caricatures d'amour transi. Et j'entends user de tout mon art pour vaincre, briser, abattre ces cœurs barbares et insensibles qui sont nos ennemis à nos autres femmes, qui sommes ce que la bonne mère nature a produit de meilleur au monde. Voilà, patronne! Qu'y a-t-il? Le voyageur qui occupe la chambre du milieu se plaint du linge. Il le trouve ordinaire et n'en veut pas. Je sais, il me l'a dit à moi aussi et je veux le satisfaire. Parfait. Allez donc, me chercher ce linge que je puisse lui apporter. Laissez, c'est moi qui le lui apporterai. Et c'est vous qui voulez le lui apporter? Oui, moi. Il faut que ce voyageur vous tienne bien à cœur. Tous les voyageurs me tiennent à cœur, mais de ce qu'ils vous regardent. Je le vois bien. Elle flatte mes espérances, mais nous n'arrivons à rien. Le pauvre sot, il a des prétentions, mais je veux le laisser espérer pour qu'il me serve fidèlement. D'habitude, c'est toujours moi qui sors les voyageurs. Ah oui, mais vous avec les étrangers, vous êtes un peu trop brusque. Et vous êtes un peu trop aimable. Mais je sais ce que j'ai à faire, je n'ai pas besoin d'ascenseur. Bon, trouvez-vous notre valet de chambre. Et pourquoi donc, monsieur Fabrice, vous en avez assez de moi? Vous vous rappelez ce que votre père nous a dit à toutes avant de mourir? Assurément, quand je voudrais me marier, je me souviendrai de mon père. Et celui qui m'aura bien servi n'aura pas à se plaindre de moi. Mais j'ai l'épiderme délicat, moi. Il y a des choses que je ne puis supporter. Mais enfin, pour qui prends-tu? Une girouette, une coquette, une folle? Vrai, tu m'étonnes. Un voyageur, ça va, ça vient. Que veux-tu que j'en fasse? Si je les traite bien, c'est par intérêt. C'est seulement pour le bon renom de mon auberge. Leur cadeau, je n'en ai pas besoin. Les amoureux, un seul me suffit et je ne suis pas en manque. Je sais reconnaître le mérite et je sais ce qui me convient. Et quand je voudrais me marier, je me souviendrai de mon père. Et celui qui m'aura bien servi n'aura pas à se plaindre de moi. Je ne suis pas une ingrate. Je reconnais le mérite. Oui, mais moi, on ne me connaît pas. C'est assez Fabrice. Comprenez-moi si vous le pouvez. Je la comprends. Bien malin celui qui en est capable. Parfois, on dirait qu'elle me veut. Et puis parfois qu'elle ne me veut pas.
une girouette. Mais elle peut agir à sa guise. Je ne sais que dire. Nous verrons bien. Elle me plaît. Je l'aime. Et j'arrangerai bien avec elle mes intérêts pour le restant de mes jours. Il me faudra fermer un œil et puis laisser courir. Après tout, les voyageurs ne font que passer et moi je reste toujours. La meilleure part, c'est toujours moi qui l'aurai. Il a laissé 150 000 écus en héritage à sa fille unique encore nubile. Tous vos amis souhaiteraient que cette fortune vous revienne et il s'y travaille. Pas besoin qu'il se donne du mal pour moi. Je ne veux pas en entendre parler. Ils savent pourtant bien que je ne veux pas m'encombrer d'une femme. Et voilà ce cher ami qui le sait mieux que personne qui m'apporte une pique tout le monde. Qu'ai-je à faire de 150 000 écus? Tant que je suis seul, j'ai besoin de beaucoup moins. Si j'avais une compagne, il m'en faudrait bien davantage. Prendre femme, moi, plutôt la fièvre carte. Cher ami, me permettez-vous de passer un moment avec vous? C'est un honneur pour moi. Au moins, entre nous, nous pouvons parler en toute confiance. Mais cette bourrique de compte n'est pas digne de notre conversation. Cher ami, permettez-moi de vous le dire, respectez les autres si vous voulez qu'on vous respecte vous aussi. Vous connaissez mon caractère, je suis courtois avec tout le monde. Mais cet individu, je ne puis le souffrir. Vous ne pouvez le souffrir parce que c'est votre rival en amour. Quelle honte. Un gentilhomme de votre qualité, c'est prendre d'une aubergiste. Un homme sage comme vous l'êtes, courir après une femme. Mon cher chevalier, elle m'a ensorcelé. Voilà bien la folie des hommes. Que me parlez-vous de sortilège? Savez-vous pourquoi elle ne m'ensorcelle pas? Leurs agaceries, leurs cajoleries, voilà toute leur sorcellerie. Et ceux qui, comme moi, s'en tiennent éloignés ne risquent pas de se laisser envoûter. Brisons-la, j'y pense sans trop y penser. Ce qui m'ennuie et m'inquiète, c'est mon fermier. Aurait-il commis quelques friponneries? Il m'a manqué de parole. Ah, je suis désolé. Prépare un autre chocolat. Pour aujourd'hui, illustrissime, il n'en reste plus à la maison. Il faut s'en procurer d'autres. Si vous daignez accepter cette tasse. Je vous disais donc que mon fermier... Moi, je m'en passe. ...m'avait promis de m'envoyer par le courrier... 20 secs. Il va encore me taper. Le problème, c'est que... Le problème est que je suis dans un grand embarras et je ne sais comment faire. 8 jours de plus ou 8 jours de moins. Mais vous qui êtes gentilhomme, vous savez ce que veut dire tenir sa parole. Ah, en vérité, je suis embarrassé et encore plus je vais finir à l'éclat. Je suis désolé de vous voir contrarié. Si je savais comment m'en sortir honorablement. Verriez-vous quelque inconvénient à m'obliger? Ce serait l'affaire de 8 jours. Si je le pouvais, ce serait de grand cœur. Si j'avais eu de l'argent, je voulais refaire sur le champ. J'en attends et je n'en ai pas. N'allez pas me dire que vous êtes sans argent. Regardez. Voilà toute ma fortune. Elle ne s'élève même pas à 2 sequins. Mais c'est un sequin d'or que vous avez là. Oui, c'est le dernier, je n'en ai pas d'autre. Faites-le-moi, pour le reste, je verrai. Oui, mais moi, je... Vous avez peur, je vous le rendrai. Que voulez-vous que je vous dise? Prenez. C'est une affaire pressante, cher ami, je suis votre obligé. Nous nous reverrons à déjeuner. Permettez, illustrissime. Que voulez-vous? Tenez, voici du linge de meilleure qualité. C'est bon, mettez-le là. Je vous en prie, daignez au moins regarder s'il est à votre convenance. Qu'est-ce que c'est que ça? Les draps sont en lin. En lin? Oui, monsieur, à 6 paoli la brasse. Je n'en demandais pas tant, je me suis contenté de quelque chose de mieux que ce que vous m'aviez donné. Ces draps, je les ai fait faire pour des personnes de qualité, pour des connaisseurs. En vérité, illustrissime, je vous les donne parce que c'est vous, à un autre, je ne les donnerai pas. Parce que c'est vous? Le compliment habituel. Regardez le service de table. Ah, mais la toile de Flandre. Quand on la lave, elle rétrécit beaucoup. Pas besoin de salir ses draps pour vous. Oh,
quand il s'agit d'un gentilhomme de votre qualité, je ne fais pas attention à ces bagatelles. Des serviettes comme celle-là, j'en ai plusieurs. Je les réserve pour votre illustrissime seigneurie. Vous devez reconnaître que cette femme est obligeante. Mais avec cet air bourru, c'est vraiment pas possible qu'il ait des femmes. Donnez-lui l'âge à mon valet, posez-lui là dans un coin. Pas besoin de vous déranger pour ça. Je ne voulais jamais me déranger que de servir un gentilhomme d'un aussi grand mérite. C'est bon, c'est bon. Elle croit me flatter. Ah, les femmes, toutes les mêmes. Je vais le mettre dans la cour. Oui, oui, où vous voudrez. Bon, cela ne va pas tout seul, j'ai bien peur de n'arriver à rien. Les imbéciles qui entendent ces belles paroles croient celles qui les prononcent, et ils se laissent pas. Et pour dîner, que désirez-vous? Je mangerai ce qu'il y aura. J'aimerais quand même connaître votre goût. Si vous aimez une chose plus qu'une autre, ne vous gênez pas. Si j'ai besoin de quelque chose, je le dirai au valet de chambre. Oui, mais pour ces choses-là, les hommes n'ont pas autant d'attention et de patience que nous autres femmes. Si quelques petits ragoûts vous agréent, quelques petites sauces, ayez la bonté de me le dire personnellement. Je vous remercie. Mais ce n'est pas non plus de cette façon que vous parviendrez à faire de moi ce que vous avez fait du comte et du marquis. Ah oui, ces deux gentilshommes sont bien faibles, n'est-ce pas? Ils descendent à l'auberge pour y loger. Et puis c'est à l'hôtesse qu'ils entendent faire la cour. Nous, on a bien autre chose en tête que de prêter l'oreille à leur baliverne. Ce qu'on cherche, c'est notre intérêt. Si on leur adresse quelques paroles aimables, c'est pour qu'ils restent à l'auberge. Quant à moi, tout particulièrement, quand je les vois se faire des illusions, je ris comme une folle. Bravo. Votre sincérité me plaît. Oh, la sincérité, c'est ma seule qualité. Cependant, quand on vous fait la cour, vous savez feindre. Moi, feindre? Oh, le ciel m'en préserve. Demandez un peu à ces deux messieurs qui jouent les amoureux transis si je leur ai jamais donné un seul gage d'affection. Si j'ai jamais badiné avec eux au point de leur faire croire qu'ils n'espéraient pas en vain. Je ne les maltraite pas, mon intérêt me l'interdit. Mais c'est tout comme. Moi, les hommes à femmes, je ne peux pas les sentir. De même que j'ai en horreur les femmes qui courent après les hommes. Voyez-vous, je ne suis plus une enfant, j'ai quelques années derrière moi, je ne suis pas belle, mais pourtant j'ai eu de bonnes occasions. Et pourtant, je n'ai jamais voulu me marier, car j'apprécie infiniment ma liberté. Ah oui, la liberté est un grand trésor. Eh bien, les gens la perdent stupidement. Moi, je sais bien ce que je fais. Je prends le large. Votre Excellence a-t-elle une épouse? Dieu m'en garde. Bravo. Je ne veux point de femme. Bravo, bravo, c'est parfait, surtout ne changez pas. Les femmes, monsieur. Oh, excusez-moi, ce n'est pas à moi d'en dire du mal. Cette femme a quelque chose qui semble ordinaire. Avec votre permission, illustrissime seigneurie. Vous avez hâte de partir? Je ne voudrais pas être importune. Non, vous me faites plaisir, vous m'amusez. Vous voyez, j'agis comme ça avec les autres. Je m'attarde un moment, comme je suis plutôt gaie de nature, je débite quelques plaisanteries pour les amuser, et eux, aussitôt, ils s'imaginent. Vous me comprenez? Ils jouent les amoureux transis. C'est comme ça parce que vous connaissez les bonnes manières. Oh, vous êtes trop bon, il est stressé. Ah, ils tombent amoureux. Ah là là, quelle faiblesse. Tomber subitement amoureux d'une femme. Voilà qui m'a toujours échappé. Oh, parlez-moi de la fermeté des hommes, de leur virilité. Faiblesse que tout cela. Misères humaines. Voilà ce qui s'appelle parler vraiment en homme. Monsieur le chevalier, donnez-moi votre main. Pourquoi voulez-vous que je vous donne ma main? Je vous en prie, ayez la bonté. Regardez, ma main est propre. Aussi ma main. C'est la première fois que j'ai l'honneur de tenir dans ma main celle d'un homme qui pense vraiment en homme. C'est assez. Et voilà. Si j'avais pris la main d'un de ces deux malotrus, il aurait aussitôt cru que j'étais prise de lui. Il serait tombé en pamoison. Non, pour tout l'or du monde, je ne leur accorderai pas la moindre privauté. Ils ne savent pas vivre. Ah, oh, qu'il est bon de converser en toute liberté, sans attache, sans malice, sans toutes ces sottises ridicules. Oh, pardonnez mon impertinence. Illustrissime, si vous avez besoin de quoi que ce soit, vous n'aurez qu'à ordonner. Et j'aurai pour vous des attentions que je n'ai jamais eues pour personne d'autre au monde. Pourquoi avoir tant de partialité à mon égard? Parce que, sans parler de votre mérite, de votre condition, je suis certaine de pouvoir converser avec vous en toute liberté, certaine d'être traitée en servante, sans être en butte à des prétentions ridicules, à d'hypocrites singeries. Que diable peut-elle avoir de si particulier qui m'échappe? On dirait que le sauvage est en train de s'apprivoiser. C'est bien, si vous avez affaire, ne restez pas pour moi. Oui, monsieur, je vais m'occuper des affaires de la maison. Ce sont là mes amours, mon passe-temps. Si vous avez besoin de quelque chose, je vous enverrai le valet de chambre. C'est bien. Si vous-même vous venez de temps à autre, je vous verrai volontiers. En vérité, je ne vais jamais dans les chambres des voyageurs, mais chez vous, je viendrai quelquefois. Chez moi? Pourquoi? Parce
parce que, illustrissime, vous me plaisez infiniment. Moi, je vous plais? Oui, vous me plaisez parce que vous n'êtes pas un homme à femme, parce que vous n'êtes pas de ces gens qui tombent amoureux. Je veux bien être pendu s'il n'est pas amoureux de moi d'ici à demain. Eh oui, moi je sais ce que je fais. Avec les femmes, je prends le large. En voilà une qui pourrait bien me faire tomber plus que les autres. Cette franchise, cette liberté d'expression ne sont guère courantes. Et là, je ne sais quoi qui sort de l'ordinaire. Je ne vais pas pour autant me laisser embéguiner. Si je devais me distraire un peu, c'est elle que je choisirais plutôt qu'une autre. Mais pour ce qui est de l'aimer, de perdre ma liberté, pas de danger. Il faut être fou, foyé pour s'étendre d'une femme. Bonjour, petite. Madame la patronne, mes respects. Attention.
Permettez-moi de vous baiser la main. Vous êtes bien obligeante. Vous aussi, Lucrécie. Là, là, ce n'est pas la peine. Allons accepter les civilités de cette petite. Donnez-lui votre main. Je vous en prie. Tenez. Vous riez, Lucrécie, de quoi donc? Cette chère comtesse, elle se moque encore de moi. J'ai dit une sottise qui l'a fait rire. Hein. Je parierais que ce ne sont pas des dames de qualité, sinon elles ne seraient pas seules. Pour les conditions, il faudra que nous en parlions. Mais vous êtes seule, vous n'avez pas de chevalier servant, vous n'avez pas de serviteur, vous êtes seule. Mon mari, le baron. Pourquoi riez-vous, madame? Oui, alors, pourquoi riez-vous? Je riais votre mari, le baron. Oui, c'est un gentilhomme fort plaisant, il raconte toujours des histoires drôles. Il ne va pas tarder à arriver avec le comte Horace, le mari de la comtesse. Ah, monsieur le comte aussi, vous donne envie de rire. Mon comtesse, un peu de décence, voyons. Mesdames, je vous en prie, nous sommes seuls, personne ne nous entend. Ce comté et cette baronnie ne seraient-ils pas... Comment mettriez-vous en doute notre noblesse? Je vous en prie, illustrissime, ne vous échauffez pas. Sinon, vous allez encore faire rire, madame la comtesse. Voyons, à quoi bon? Comtesse, comtesse! Je sais ce que vous avez voulu dire. Si vous avez deviné, vous avez toute ma considération. Elle voulait dire à quoi bon feindre d'être une dame quand on n'est qu'un pion. Alors, vous nous connaissez? Oh, voilà une bonne comédienne incapable de tenir un rôle. En deux scènes, je ne sais point feindre. Bravo, madame la baronne, j'aime votre esprit et je vous félicite pour votre franchise. Il m'arrive de m'amuser un peu. Et moi, j'aime infiniment les gens d'esprit. Mon auberge est à votre disposition. Faites comme chez vous. Je ne vous demanderai qu'une seule chose. Si des personnes de qualité arrivent, cédez-moi cet appartement, mais je vous donnerai deux petites chambres tout à fait confortables. Très volontiers. Mais moi, quand je dépense mon argent, j'entends être servie comme une dame. Je suis dans cet appartement et je n'en partirai pas. Pardon, madame la baronne, ne faites pas la mauvaise tête. Oh, mais voici un gentilhomme qui loge ici. Dès qu'il voit une femme, il se précipite. Il est riche. Oh, je ne suis pas au courant de ses affaires. Pardon, on peut entrer. Libre à vous. Mesdames, je suis votre serviteur. Votre très humble servante. Je vous salue respectueusement. Elles ne sont pas d'ici. Non, excellence, elles m'ont fait l'honneur de descendre dans mon auberge. C'est une excellence, bigre. Oh, que de vouloir pour elle. Et qui sont ces dames? Voici madame la baronne, Hortense d'Edbuggio. Et voici madame la comtesse, Déjanire d'Alsol. De nobles dames fort accomplies, assurément. Mais vous-même, monsieur, qui êtes-vous? Moi, je suis le marquis de Forlipopoli. Ah, l'hôtesse veut faire durer la comédie. Je suis ravie d'avoir l'honneur de faire la connaissance d'un gentilhomme aussi accompli. Si je puis vous rendre service, je me mets à vos ordres. Je me réjouis que vous soyez descendu dans cette auberge. Vous verrez que la patronne est une femme capable. Oh, ce gentilhomme est plein de bonté pour moi. Il m'honore de sa protection. Oui, certes, je la protège. Et je protège tous ceux qui descendent dans cette auberge. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, je suis à vos ordres. À l'occasion, je ferai appel à votre obligeance. Vous aussi, madame la comtesse, vous pouvez compter sur moi. Ah, oh, je m'estimerais bien heureuse si je figurais sur la liste de votre humble servante. Ça, c'est une réplique de comédie. Son titre de comtesse l'a impressionné. Oh, monsieur le marquis, quel magnifique mouchoir. Il est beau, n'est-ce pas, qu'en dites-vous? N'ai-je point pour mon goût? Oh oui, certes, excellent. En avez-vous jamais vu d'aussi beau? Il est superbe, je n'en ai pas vu pareil. S'il m'en faisait cadeau, je l'accepterais. Il vient de Londres. Ah, oh, il est beau, il me plaît beaucoup. N'est-ce pas que j'ai pour mon goût? Il ne dit pas, il est à vous. Je gage que le comte ne sait pas dépenser son argent. Il le jette par les fenêtres, mais n'achète jamais de colifichets de bon goût. Non, certes, monsieur le marquis, sait, comprend, distingue, voit toute chose. Il faut le plier soigneusement pour qu'il ne se froisse pas. Et ces choses-là demandent à être conservées attentivement. Tenez. Voulez-vous que je le fasse mettre dans votre chambre? Non, mettez-le dans la vôtre. Pourquoi dans la mienne? Parce que je vous l'offre. Oh, pardonnez-moi, l'excellence. C'est ainsi, je vous l'offre. Mais je ne le veux pas. Ne me mettez pas en colère. Oh, quant à ça, monsieur le marquis le sait bien. Je ne veux fâcher personne pour ne pas vous mettre en colère. Je vais le prendre. Oh, quelle belle réplique de comédie! Et après, on parlera des comédiennes. Accordez-vous un mouchoir de cette qualité, je l'ai offert à mon hôtesse. Vous êtes un gentilhomme généreux. Je suis toujours comme ça. C'est le premier cadeau qu'il me fait. Je me demande bien où il a pu dénicher ce mouchoir. Monsieur le marquis,
bravo. Nous verrons. Monsieur Martin, vous qui connaissez la ville, faites-moi le plaisir de m'envoyer un bon boutier car j'ai besoin de chaussures. Oui, je vais vous envoyer le mien. Elles sont toutes après lui, mais il n'a pas un traître liard. Tiens, monsieur le marquis, nous ferez-vous la grâce de nous tenir un peu compagnie? Vous nous ferez l'honneur de déjeuner avec nous. Très volontiers. Mirandoline, ne soyez pas jalouse, je suis tout à vous, vous le savez bien. Faites, monsieur le marquis, faites, je suis ravie que vous vous amusiez un peu. Vous serez notre compagnie. Nous ne connaissons personne, vraiment que vous. Ah, mes chères petites dames, c'est de tout cœur que je me mets à votre service. Je vous cherchais. C'est ici avec ces dames. Des dames, je suis votre humble serviteur. Votre dévoué servante. Voilà un noble plus en fond que l'autre. Moi, je ne sais pas m'y prendre pour s'en tirer des cadeaux. Mirandoline, montrez donc le mouchoir au comte. Oh, regardez, monsieur le comte, le joli cadeau que m'a offert monsieur le marquis. Oh, j'en suis ravi. Bravo, marquis. Ce n'est rien, rien du tout, une bagatelle. Rangez-le, je ne veux pas vous en parler, ce que je fais, on ne doit pas le savoir. Non, on ne doit pas le savoir, mais il veut que je le montre. L'orgueil le dispute à la pauvreté. Si ces dames le permettent, je voudrais vous dire un mot. Ah, ne vous dérangez pas pour nous. Si vous gardez ce mouchoir dans votre poche, vous allez l'abîmer. Eh bien, je vais le mettre dans du coton pour lui éviter les chocs. Regardez ce petit bijou en diamant. Il est à son aux boucles d'oreilles que je vous ai offertes. Ah, il est très beau. Il est certes assorti, mais je peux vous dire qu'il est vraiment très beau. La prestation de son argent que la table l'emporte. À présent, pour que vous ayez la parure assortie, je vous fais cadeau du bijou. Mais il n'est absolument pas question que je l'accepte. Mais vous ne ferez pas cette injure. Ah, des injures, je n'en fais à personne. Pour ne pas vous fâcher, je vais le prendre. Que dites-vous, monsieur le marquis? Ce bijou n'est-il pas ravissant? Dans son genre, le mouchoir est de meilleur goût. Oh oui, mais d'un genre à l'autre, la distance est grande. Ah, c'est du bon sens, c'est public pour des grosses dépenses. C'est vrai que vous vous faites vos cadeaux en secret. Cette fois, je puis bien le dire, entre deux chicaneurs se glisse toujours un troisième larron. Ainsi, mesdames, je serai des vôtres au déjeuner. Mais vous, monsieur, qui êtes-vous? Je suis le comte d'Amaforita pour vous servir. Oui, c'est une illustre famille, je la connais. Vous êtes descendu ici? Oui, madame. Vous comptez rester l'enzo? Oh, je crois que oui. Mesdames, vous devez être là, se rester debout. Voulez-vous que je vous raccompagne dans votre chambre? Oh, c'est trop de grâce que vous faites. Monsieur le comte, de quelle région êtes-vous? De Naples. Oh, mais alors nous sommes à demi-compatriotes. Je suis de Palerme. Moi, je suis romaine, mais je suis allée à Naples et je désirais justement parler à un gentilhomme napolitain au sujet d'une affaire que j'ai là-bas. Je suis à votre disposition, mesdames. Êtes-vous seule? Il n'y a pas d'homme avec vous. Il y a moi, monsieur. Elles n'ont pas besoin de vous. Nous sommes seuls, monsieur le comte. Nous vous dirons après pourquoi. Mirandoline. Monsieur le comte. Faites servir pour toi. Daignerez-vous me faire l'honneur d'accepter mon invitation? Nous nous ferons une grâce de répondre à votre courtoisie. Mais moi, j'ai été invité par ces dames. Oh, libre à elles d'être servies par qui elles veulent, mais à ma table, on ne tient pas plus de trois. Venez, venez, monsieur le comte, monsieur le marquis nous invitera à une autre fois. Je vous donne. Si vous trouvez le choix, je compte sur vous. Comte, vous me le paierez. Oh, de quoi vous payez-vous? Je sais qui je suis, et l'on ne se connaît pas de cette façon avec moi. Arrêtons-la. Ah, il voudra avoir un mouchoir. Un mouchoir de cette qualité. Eh bien, ne l'aura pas. Mirandoline, prenez-en soin, des mouchoirs pareils, ça ne se trouve pas. Des diamants, bah, des diamants, ça se trouve, des diamants. Ça se trouve, ça se trouve, n'est-ce pas? Mais des mouchoirs pareils, ça ne se trouve pas. Quel fou achevé. Cher Mirandoline, vous ne m'en voudrez pas si je sers ces deux dames. Oh, pas du tout, monsieur le comte. Mais je le fais pour vous. Je le fais pour accroître vos bénéfices et la clientèle de votre auberge. Quant au reste, je suis tout à vous. Mon cœur est tout à vous. Et ma fortune aussi. Vous pouvez en disposer librement, vous en êtes la maîtresse. Ah, avec toutes ces richesses, avec tous ces cadeaux, il ne parviendra pas à se faire aimer de moi. Et le marquis, encore bien moi, avec sa protection ridicule. Non. J'ai entrepris de rendre amoureux le chevalier de Ripaflata.
et je ne renoncerai pas à ce plaisir pour un bijou deux fois plus gros que celui-ci. Se peut-il que je n'y parvienne pas? Je n'aurai peut-être pas l'habileté de ces deux bonnes comédiennes, mais tant que le comte et le marquis resteront en leur compagnie, ils me laisseront en paix, et je pourrai tout à mon aise m'occuper du chevalier. Se peut-il qu'il ne cède pas? Quel est l'homme capable de résister à une femme s'il lui laisse le temps de déployer toutes les ressources de son art? Celui qui fuit ne peut craindre d'être vaincu, mais celui qui s'arrête, qui écoute et qui y prend plaisir, doit tomber tôt ou tard, en dépit qu'il en est. Que les femmes m'inspirent. La patronne a dit que si vous n'aimiez pas le poulet, elle vous enverrait un pigeon. J'aime tout. Et ça, qu'est-ce que c'est? La patronne a dit que je sache lui dire si votre seigneurie illustrissime aime cette sauce, car elle l'a préparée de ses propres mains. Elle est de plus en plus obligeante. Délicieuse. Dis-lui qu'elle est à mon goût et que je la remercie. Je lui dirai, Mistricine. Va le lui dire tout de suite. Tout de suite. Oh, quel prodige! Il me charge d'un compliment pour une femme. C'est une sauce exquise. Je n'en ai jamais goûté de meilleure. Assurément, si Mirandoline agit toujours de la sorte, elle ne manquera jamais de clients. Du bon linge, une bonne table. Puis on ne peut pas dire qu'elle ne soit pas aimable. Moi, ce que j'aime surtout chez elle, c'est sa sincérité. Ah ouais, la sincérité, c'est vraiment une des choses. Pourquoi ne puis-je voir les femmes? Parce qu'elles sont fausses, menteuses, enjôleuses. Mais une sincérité comme celle-là... La patronne remercie votre illustrissime seigneurie de la bonté qu'elle a d'apprécier ses modestes talents. Bravo, monsieur le maître de cérémonie. Elle est maintenant en train de préparer de ses propres mains un autre plat. Mais je ne saurais dire ce que c'est. Elle est en train de le préparer? Oui, monsieur. Donne-moi à voir. Tout de suite, monsieur. Alors, il va falloir être généreux pour répondre à toutes ses attentions. C'est une hôtesse fort accomplie. Il faudra payer le double. Bien la traiter, mais décampez au plus vite. Le comte est-il allé dîner? Oui, lui aussi. Mais à l'instant, aujourd'hui, il reçoit. Il a deux dames à sa table. Deux dames? Qui sont-elles? Il y a quelques heures qu'elles sont descendues à l'auberge, j'ignore qui elles sont. Est-ce que le comte les connaissait avant? Je ne pense pas, mais dès qu'il les a vues, il les a invitées à déjeuner. Quelle faiblesse! Dès qu'il voit deux femmes, il les entreprend aussitôt.
Elles ne disent pas non. Dieu sait qui elles sont. Mon pire, elles peuvent bien être ce qu'elles veulent. Elles sont femmes et ça suffit. Le comte va sûrement se ruiner. Dis-moi, est-ce que le marquis déjeune ? Il est sorti et on ne l'a pas encore vu. La suite. Voilà, il est ici. À table avec deux dames. Ah, quelle belle compagnie. Avec leur grimace, elles me couperaient l'appétit. Puis-je entrer ? Voilà, quelqu'un ! Débarrasse madame de ce plat. Permettez que j'aie l'honneur de le mettre moi-même sur la table. Ce n'est pas votre travail. Oh, monsieur, qui suis-je ? Une grande dame ? Je suis la servante de ceux qui me font l'honneur de descendre dans mon auberge. Quelle modestie ! En vérité, je servirai volontiers tout le monde. Si je ne le fais pas, c'est qu'il y a certaines raisons. Je ne sais si je me fais bien comprendre. Chez vous, je viens sans aucune inquiétude, sans réticence. Je vous remercie. Quel est ce plat ? C'est un petit ragoût que j'ai cuisiné moi-même. Il doit être bon. Du moment que vous l'avez préparé, il doit être bon. C'est trop de bonté, monsieur. Je ne sais pas faire grand-chose, mais j'aimerais savoir. Pour être agréable à un gentilhomme aussi accompli que vous l'êtes. Demain, niveau. Si vous avez affaire, ne vous mettez pas en peine pour moi. Oh, pas du tout, monsieur. La maison ne manque ni de cuisiniers ni de domestiques. Je serais heureuse de savoir si ce plat est à votre convenance. Volontiers, tout de suite. C'est bon. Oh, regarde. Quelle saveur. Je n'arrive pas à savoir ce que c'est. C'est que, monsieur, j'ai mes petits secrets. Ces mains, voyez-vous, savent faire de bien belles choses. Donne-moi à boire. Avec ce plat, monsieur, il faut boire du bon vin. Donne-moi du Bourgogne. Parfait, le vin de Bourgogne est savoureux. Selon moi, à table, c'est le meilleur vin qu'on puisse boire. Merci. Votre goût est en tout point parfait. À dire vrai, je me trompe rarement. Cependant, cette fois-ci, vous vous trompez. En quoi, monsieur ? En croyant que je mérite toutes les attentions particulières que vous me témoignez. Oh, monsieur le chevalier. Qu'est-ce que signifie ces soupirs ? Oh, je vais vous dire, des attentions, j'en ai pour tout le monde et ça me fait de la peine quand je songe qu'il n'y a que des ingrats. Non, moi, je ne vous montrerai pas ingrat. Oh, de vous, je n'attends pas que vous reconnaissiez mon mérite. Je ne fais que mon devoir. Je sais parfaitement reconnaître. Je ne suis pas aussi rustre que vous le croyez. Vous n'aurez pas à vous plaindre de moi. Mais monsieur, je ne vous comprends pas. À votre santé. Je suis votre obligée, c'est vraiment trop d'honneur. Si vous voulez, je vous en prie. Oh, merci, monsieur. Mais vous déjeuner. Oui, listrissime. Vous n'en voulez pas un petit verre ? Oh, je ne mérite pas cette faveur. Vraiment, je vous l'offre volontiers. Oh, je ne sais que dire. Votre courtoisie m'oblige à accepter. Alors, portez un verre. Oh, si vous permettez, je prendrai celui-ci. Donc, je m'en suis déjà servi. Je boirai vos dernières gouttes. Oh, à la coupe. Mais il y a longtemps que j'ai mangé. J'ai peur que ça ne me fasse mal. Alors, pas de danger. Si vous pouviez me donner une petite bouchée de ce pain. Volontiers, tenez. Vous êtes embarrassé. Voulez-vous vous asseoir ? Oh, c'est me faire trop d'honneur. Allons, nous sommes seuls. Apporte une chaise. Mon maître court à sa mort, il n'en a jamais fait autant. Si monsieur le marquis et monsieur le comte voyaient ça, pauvre de moi. Quoi ? Sans foi, ils ont voulu m'obliger à boire quelque chose ou bien manger. Je n'ai jamais voulu. Assis. C'est bien pour vous obéir. Ne dis à personne que la patronne s'est assise à ma table. N'ayez crainte. Voilà qui est nouveau. Je n'en reviens pas. À la santé de tout ce qui fait plaisir, à monsieur le chevalier. Je vous remercie, charmante petite patronne. Cette santé, bien entendu, ne s'adresse pas aux femmes. Ah non ? Pourquoi ? Parce que les femmes, je sais que vous ne pouvez pas les sentir. Ah, c'est vrai, je ne peux pas les voir. Eh bien, restez toujours comme ça. Je ne voudrais pas... Quoi donc, monsieur ? Je ne voudrais pas changer de nature à cause de vous. Oh, à cause de moi ? Comment ça ? Va-t'en. Vous désirez autre chose ? Fais-moi cuire des œufs quand ils seront cuits, apportez-les-moi. Vos œufs, comment les voulez-vous ? Comme tu voudras, fais vite. J'ai compris. Mon maître est en train de s'échauffer. Yandeline, vous êtes une accorte personne. Oh, monsieur, vous me moquez. Je veux vous dire quelque chose de vrai.
de vraiment vrai, qui sera toute à votre gloire. Je suis toute oui. Oui. Mirandoline, vous êtes la première femme au monde dont j'ai sans déplaisir supporté la conversation. Je vais vous dire, monsieur le chevalier, je n'ai aucun mérite à cela. Il se trouve qu'il y a parfois des affinités naturelles entre les gens. Je crains que vous ne vouliez me faire perdre mon repos. Voyons, monsieur le chevalier, si vous êtes un homme sage, agissez en sage. Ne tombez pas dans les faiblesses des autres. En vérité, si je m'en aperçois, je n'en remets plus les pieds ici. Moi aussi, je sens en moi je ne sais quoi que je n'ai jamais ressenti. Mais je ne voudrais pas perdre la tête pour des hommes, et encore moins pour quelqu'un qui a les femmes en horreur, et qui maintenant vient me tenter en me faisant entendre une chanson nouvelle pour après se moquer de moi. Encore un peu de Bourgogne, je vous prie. Non, c'est assez. Encore un peu, et c'est la chute. Tenez. Merci infiniment. Mais vous ne buvez pas. Si, je veux boire. Mieux vaudra que je m'enivre. Un clou chasserait l'autre. Monsieur le chevalier. Qu'y a-t-il ? Trinco. À la santé des bons amis. À leur santé. À la santé de ceux qui s'aiment sans malice. Trinco. Santé. J'arrive, me revoilà ! À la santé de qui ? Comment, marquis ? Excusez-moi, cher ami, j'ai appelé, il n'y avait personne. Avec votre permission. Cher ami, je ne me permets pas tant de liberté avec vous. Je vous prie de m'excuser, nous sommes amis, je vous croyais seul. Je me réjouis de vous trouver en compagnie de notre adorable petite hôtesse. Hein, qu'en dites-vous, n'est-ce pas un chef-d'œuvre ? Monsieur, j'étais ici pour le service de monsieur le chevalier. J'ai été prise d'un léger malaise et il m'a secourue avec un petit verre de Bourgogne. C'est du Bourgogne que vous avez là ? Oui, c'est du Bourgogne. Mais du vrai ? Du moins, l'ai-je acheté sous cette appellation. Oh, laissez-moi y goûter. Oh, je vous dirai si j'en ai ou pas. Voilà quelqu'un. Un verre pour monsieur le marquis. Pas trop petit le verre. Le Bourgogne n'est pas une liqueur. Pour le juger, il faut en boire suffisamment. Voici les œufs. Je n'en veux plus. Quel est ce plat ? Des œufs. Je ne les aime pas. Monsieur le marquis, avec la permission de monsieur le chevalier, goûtez donc ce petit ragoût que j'ai cuisiné de mes propres mains. Oh oui ! Vite, une fourchette ! Alors, un portage couvert pour monsieur. Monsieur le chevalier, je me sens mieux à présent. Je vais me retirer. Oh, faites-moi plaisir, reste encore un peu. Mais je dois vaquer aux occupations de la maison. Regardez si elle reste encore un peu. Que lui voulez-vous ? Je veux vous faire goûter un petit vin de Chypre. Comme jamais vous m'avez goûté de pareil depuis que vous êtes au monde. Et je suis heureux que Mirandoline me goûte et me donne son opinion. Allons, faire plaisir à monsieur le marquis. Restez. Monsieur le marquis voudra bien me dispenser. Vous ne voulez pas le goûter ? Oh, une autre fois, Excellence. Allons, restez. Vous me l'avez. Je vous dis de rester. J'obéis. Nous sommes plus obligeantes. Ah, quel plat ! Ah, quel ragoût ! Ah, quel parfum ! Ah, quelle saveur ! Le marquis va être jaloux que vous soyez près de moi. C'est bien le cas de mes soucis. Vous aussi, vous êtes l'ennemi des hommes. Comme vous, vous l'êtes des femmes. Voilà deux ennemis qui sont en train de prendre leur revanche. Comment ça, monsieur ? Ah, coquine, vous allez voir. Ah, cher ami, à votre santé ! Eh bien, comment le trouvez-vous ? Arrivez-moi à se parler, il ne vaut rien. Vous allez goûter mon vin de Chypre. Et où est-il donc ce vin de Chypre ? Je l'ai là, je l'ai apporté avec moi, et je veux que nous le dégustions ensemble. Attention, c'est du bon. Le voici ! Oh là, les verres ! À ce que je vois, monsieur le marquis, vous ne voulez pas que votre vin nous monte à la tête ? Ce vin-là, c'est goutte à goutte qu'il se boit comme l'eau de Vénice. Ah ! Ils sont trop grands, vous n'en avez pas de plus petits ? Apporte les verres à liqueur. À mon avis, il suffirait de le humer. Oh, Seigneur, il a un bouquet qui vous réjouit le cœur. Oh, ce soleil, ce nectar, cette ambroisie, Mirandoline, c'est de la manne distillée. Que dites-vous de cette cochonnerie ? Oh, de la rinçure de bouteille. Hein, vous l'aimez ? C'est bon, exquis. Mirandoline, qu'en dites-vous ? Oh, moi, monsieur, je ne sais pas dissimuler. Je le trouve mauvais, je ne l'aime pas et je ne saurais dire qu'il est bon. Mais j'admire ceux qui savent feindre. Mais quand on sait feindre pour une chose, on doit savoir feindre pour d'autres encore. C'est à moi que ce reproche s'adresse. Je ne comprends pas pourquoi. Mirandoline, au vin de cette sorte, vous n'y connaissez rien. Vous avez apprécié le mouchoir que je vous ai offert, il vous a plu. Mais vous ne connaissez rien au vin de Chypre. Vous entendez comme il se vante. Ce n'est pas moi qui agirai ainsi. Pour vous, votre gloire, c'est de maîtriser les femmes.
Et le vôtre, c'est de triompher de tous les hommes. Pas tous. Si, tous. Oh là là, trois verres propres. Bon, pour ma part, je n'en prendrai pas d'autres. Non, non, ne craignez rien, ce n'est pas pour vous. Mon brave, avec la permission de votre maître, allez chez le comte d'Alba Fiorita et dites-lui à haute voix que tout le monde l'entende que je le prie de goûter un peu de ce vin de Chypre. À vos ordres. Ce n'est certes pas avec ça qu'il s'enivrera. Quelle générosité, marquis. Moi, demander à Mirandoline. Oh, absolument. Le chevalier a-t-il vu mon mouchoir? Non, il ne l'a pas encore vu. Il va le voir. Ce fond de nectar, je me le réserve pour ce soir. Oh, attention, monsieur le marquis, que cela ne vous fasse pas de mal. Savez-vous ce qui me fait du mal? Quoi donc, monsieur? Vos beaux yeux. Vraiment? Oh, cher chevalier, je suis éperdument amoureux de cette femme. Vous m'en voyez navré. Vous n'avez jamais éprouvé de l'amour pour une femme, vous. Si vous saviez ce que c'est, vous me comprendriez. Certes, j'ai pitié de vous. Et je suis jaloux comme un tigre. Je tolère qu'elle reste ici près de vous parce que je sais à qui j'ai affaire. Mais d'un autre, je ne le supporterai pas pour tout l'or du monde. Cet animal commence à me fatiguer. Monsieur le comte, remercie votre excellence et vous envoie une bouteille de vin des Canaries. Voudrait-il comparer son vin des Canaries avec mon vin de Chypre? Tu vois? Ah, je ne reconnais rien qu'à l'odeur. Dis-le d'abord. Le goûter? Oh, pas question. C'est là une impertinence du comte à mon égard, qui s'ajoute à bien d'autres. Il veut toujours être au-dessus de moi. Il veut toujours m'accabler, me provoquer, pour que je commette quelques sottises. Et je jure par le ciel que j'en commettrai une qui vaudra pour ça. Ah, Mirandoline, si vous ne me chassez pas d'ici, il va y avoir un drame. Parfaitement. Cet individu est un impudent. Je suis qui je suis, et je ne saurais tolérer de pareils affronts. Le pauvre marquis est fou. En cas d'accès de bile, il a emporté la bouteille pour se remettre. Il est fou, vous dis-je. Et c'est vous qui l'avez rendu fou. Moi, suis-je donc de celles qui rendent les hommes fous? Oui, vous êtes... Monsieur le chevalier, avec votre permission. Demeurez. Oh, pardonnez-moi, je ne rends fou personne. Écoutez-moi. Excusez-moi. Demeurez, vous dis-je. Qu'attendez-vous de moi? Rien. Buvons un autre verre debout. Alors, monsieur, faisons vite, je dois partir. Alors, asseyez-vous. Non, debout. Le temps de porter une santé, et puis je m'en vais immédiatement. Bravo, venez ici. Oh, la friponne. Elle s'est enfuie. Elle s'est enfuie, j'endure les tourments de l'enfer. Monsieur, désire-t-il le dessert? Enfin, t'en gâte aussi. Ah, malheureuse, je te connais bien. Tu veux m'abattre? Tu veux m'assassiner? Mais elle fait cela avec tant de grâce. Elle sait si bien se faire ainsi honte. Par tous les diables, seras-tu capable de triompher de moi? Non. Je vais partir pour Livourne. Je ne veux plus la voir. Que je ne la croise plus sur mon chemin. La peste soit les femmes. Je le jure. Là où il y a des femmes, plus jamais je ne mettrai les pieds. Pas du métier me prête pour une dame. Oh, avec moi, vous avez bien fait de vous faire connaître.
Comme ça, vous me donnez la possibilité de faire quelque chose à votre avantage. Monsieur le comte sera notre protecteur. Nous sommes amis, nous profiterons ensemble de vos bontés. Pour tout vous dire, je vais vous parler sincèrement. Je serai votre serviteur chaque fois que ça me sera possible. Mais j'ai une certaine affaire qui ne me permettra pas de fréquenter chez vous. Monsieur le comte aurait-il un petit béguin? Oui, je vais vous le dire en confidence. La patronne de l'auberge. Une grande dame, assurément. Je suis surpris, monsieur le comte, de vous voir perdre votre temps avec une aubergiste. Seulement si vous réservez vos attentions à une comédienne. Oh, pour tout vous dire, je n'aime guère galantiser avec vous autres. Tantôt vous êtes là, tantôt vous êtes ailleurs. N'est-ce pas mieux ainsi, monsieur le comte? Comme ça, les amitiés ne s'éternisent pas et les hommes ne se ruinent pas. C'est possible, mais je suis engagé. Je lui veux du bien et je ne veux pas la contrarier. Mais qu'est-ce que vous lui trouvez d'extraordinaire? Oh, bien des choses! Mais, je veux dire, elle est belle, elle se met du rouge. Mais elle a beaucoup d'esprit! Beaucoup d'esprit, vous ne voudriez pas la comparer à nous? Oh, voilà, c'est... Quoi qu'on puisse dire, Mirandoline me plaît. Si vous voulez mon amitié, vous devez m'en dire du bien. Sinon, en fait, comme si vous ne m'aviez jamais connu. Oh, quant à moi, je proclame, monsieur le comte, que Mirandoline est Vénus en personne. Oui, oui, c'est vrai. Elle est spirituelle. Elle s'exprime bien. Oh, elle est tellement... À présent, vous me plaisez. Oh, si vous trouvez ça, vous allez être servi. Vous avez vu la personne qui vient de passer? Ah, voilà un autre beau personnage de comédie. Dans quel genre? C'est quelqu'un qui ne peut voir les femmes. Une femme a dû lui laisser quelques mauvais souvenirs. Oh, que non! Il n'a jamais été amoureux. Il n'a jamais voulu fréquenter les femmes. Il les méprise toutes. Il méprise même Mirandoline. C'est dire! Le malheureux, je parie que si je l'entreprenais, je le ferais changer d'avis. Ah, ça serait vraiment un bel exploit! Ah, voilà une entreprise dont je me chargerais bien. Bon, écoutez, mes amis. Allez-y, rien que pour vous amuser. Si le cœur vous en dit, rendez le chevalier amoureux et je vous ferai un beau cadeau. Non, mais je ne prétends pas être récompensé pour ça. Je le ferai pour mon seul plaisir. Si monsieur le comte veut avoir des invités pour nous, que ça ne soit pas pour ça. En attendant l'arrivée de nos camarades, nous nous amuserons un peu. Je crains que vous n'arriviez à rien. Oh, monsieur le comte, vous nous tenez en piètre estime. Nous n'avons pas la grâce de Mirandoline. Mais enfin, nous connaissons un peu le train du monde. Voulez-vous que nous le fassions appeler? Je l'ai vu aller vers la cuisine. Faites comme vous voudrez. Je parie qu'il est allé quereller Mirandoline parce qu'elle l'a mal fait manger. Monsieur le comte, j'avais prié monsieur le marquis de m'envoyer son gautier, mais je crains de ne pas le voir. Ne vous en faites pas, je vais m'en occuper. Eh, hey, monsieur le marquis m'avait promis un mouchoir, on peut compter qu'il ne l'a pas. Des mouchoirs, nous en trouverons. Mais c'est que j'en ai vraiment besoin. Oh, si celui-ci vous convient, il est à vous, il est propre. Ah, je vous remercie infiniment pour votre obligeance. Voici le chevalier. Il vaut mieux continuer à vous faire passer pour des dames. Ne serait-ce que par politesse, pour avoir plus de chances de vous faire écouter. Tenez-vous un peu en retrait, parce que s'il vous voit, il va prendre la fuite. Comment s'appelle-t-il? Le chevalier. Madame. Excusez-moi de vous causer ce dérangement.
Ce n'est rien, madame. Tant que je mange votre pain, vous servir fait partie de mes obligations. Demeurez. Écoutez, ces choses-là ne font pas partie de vos obligations, mais je sais que vous les faites volontiers pour moi. Et moi, suffit, je n'en dis pas plus. Moi, pour vous, j'irai décrocher la lune, mais je vois que c'est peine perdue. Mais pourquoi perdue? Me prendriez-vous pour une ingrate? Les hommes pauvres ne sont pas dignes de vos bontés, quand vous aimez trop la noblesse. Pauvre fou, si je pouvais tout vous dire, courez vite chercher ce fer. Mais si, j'ai vu, moi, de mes yeux vus. Allons, vous allez me le chercher, ce fer. J'y vais. Je suis à votre service, mais plus pour longtemps. Ah, les hommes, plus on leur veut du bien et plus ils en veulent. Quoi? Qu'est-ce que vous avez dit? Alors, vous me l'apportez, ce fer. Je n'y comprends plus rien. Elle me fait passer par des hauts et des bas. J'y comprends plus rien. Madame Bérangeline, qu'y a-t-il, mon ami? Mon maître vous présente ses respects et m'envoie voir comment vous allez. Dites-lui que je vais très bien. Il dit comme ça que vous buviez un peu de cette eau de mélisse, qu'elle vous fera plus grand bien. Il est en or, ce flacon? Oh oui, madame, en or. Vous pouvez m'en croire. Et pourquoi ne m'a-t-il pas donné l'eau de mélisse quand j'ai eu cet affreux évanouissement? À ce moment-là, il n'avait pas encore ce flacon. Et à présent, comment l'a-t-il eu? Écoutez, je vais vous le dire en confidence. Il m'a envoyé quérir à l'orfèvre. Il lui a acheté le flacon et il l'a payé 12 sequins. Et puis il m'a envoyé chez l'apothicaire acheter l'eau de mélisse. Vous riez? Oh oui, je ris parce qu'il m'envoie le médicament quand mon mal est guéri. Il servira pour une autre fois. Allons, je vais voir un peu à titre préventif. Tenez, et remerciez-le. Ce flacon vous appartient? Comment ça? Oui, mon maître l'a acheté exprès. Exprès pour moi? Pour vous, mais bouche cousue. Rapportez-le, dites-lui que je le remercie. Allons donc. Non, je vous dis de ne lui rapporter, je n'en veux pas. Vous voulez lui faire cet affront? Oh, trêve de bavardage, rapportez-lui son flacon, tenez. Bon, je n'insiste pas. Je vais lui rapporter. Quelle femme, elle refuse de sequins. Des comme elle, je n'en ai jamais trouvé. J'aurais d'ailleurs du mal à en trouver. Oh là là, cette fois il est mordu. Bien mordu, on ne peut plus mordu. Et comme ce que j'ai fait avec lui, je ne l'ai pas fait par intérêt. Je veux qu'ils reconnaissent la force des femmes, sans pouvoir dire qu'elles sont intéressées ou vénales. Voici votre fer. Il est bien chaud? Oui, madame, il est chaud. Que ne suis-je aussi brûlant? Qu'y a-t-il encore? Il n'y a que monsieur le chevalier envoie des messages, fait porter des cadeaux, son malin l'a dit. C'est exact. Il m'a envoyé un petit flacon en or. Et je le lui ai retourné. Vous le lui avez retourné? Oui. Demandez-le à son valet. Pourquoi le lui avez-vous retourné? Pour que Fabrice ne dise pas, cessons de parler. Chère Mirandoline. Partez, je... laissez-moi travailler. Je ne vous empêche pas de travailler. Allez me préparer notre fer. Et quand il sera chaud, apportez-le-moi. J'y vais. Quelle curieuse petite bonne femme! Mais je l'aime! La voilà. Je ne voulais pas venir, mais le diable m'a poussé. Voilà. Mirandoline? Oh, monsieur le chevalier, je suis votre très humble servante. Comment allez-vous? Très bien, pour vous servir. J'ai lieu de me plaindre de vous. Pourquoi, monsieur? Parce que vous avez refusé un petit flacon que je vous ai envoyé. Que vouliez-vous que j'en fasse? Que vous en serviez à l'occasion. Oh, grâce au ciel, je ne suis pas sujette aux évanouissements. Ce qui m'est arrivé aujourd'hui ne m'était jamais arrivé. Je ne voudrais pas avoir été la cause de ce malheureux accident. Oh, c'est bien vous, en effet, je le crains, qui en avait été la cause. Moi, vraiment? Ah oui, vous m'avez fait boire ce maudit vin de Bourgogne et il m'a fait mal. Comment est-ce possible? C'est ainsi, à n'en pas douter. Plus jamais je ne reviendrai dans votre chambre. Je vous entends. Dans ma chambre, vous ne viendrez plus. Je comprends le mystère, je le comprends. Mais venez-y, chère Mirandoline, vous n'aurez pas à le regretter. Ce fer n'est pas assez chaud. Fabrice, si l'autre fer est chaud, apportez-le-moi. Faites-moi la grâce de garder ce flacon. Franchement, monsieur le chevalier, je n'accepte pas les cadeaux. Vous les avez bien acceptés du comte d'Abba Fiorito. Forcément, pour ne pas le contrarier. Et à moi, voudriez mais que me vous le refuser et me contrarier. Que vous importe? Vous qui n'aimez pas les femmes. Maintenant, Mirandoline, je ne puis plus dire cela. Monsieur le chevalier, de quand date la nouvelle lune? Je ne change pas avec la lune.
C'est votre beauté, c'est votre grâce qui ont accompli ce prodige. Vous riez ? Ah, vous ne voulez pas que je rie. Vous vous moquez de moi et vous ne voulez pas que je rie. Oh, coquine, je me moque de vous. Hein. Prenez ça. Merci, merci. Prenez-le, vous allez me fâcher. Fabrice ! Vous le prenez, oui ou non ? Oh, Doudou, quel emportement ! C'est comme ça que vous le posez. Fabrice ! Me voici ! Il est bien chaud, ce fer. Oui, patronne. Mais qu'avez-vous ? Vous me semblez troublée. Ce n'est rien, patronne. Ça ne va pas ? Donnez-moi l'autre fer, si vous voulez que je me mette à chauffer. Mais en vérité, j'ai bien peur que vous ne vous sentiez pas bien. Donnez-lui l'autre fer et qu'il s'en aille. C'est que j'ai de l'affection pour lui, vous savez. C'est mon valet de chambre de confiance. Oh, je n'en puis plus. Venez, cher Fabrice, allez faire chauffer ce fer. Patronne. Allons, dépêchez-vous. Ce n'est plus une vie, je suis à bout. Je sens... Que d'amabilité, madame, pour votre valet de chambre. Qu'entendez-vous par là ? On voit bien que vous en étiez prise. Moi, amoureuse d'un valet de chambre ? Vous me faites là, monsieur, un joli compliment. Je n'ai pas si mauvais goût. Non, le jour où je voudrais aimer, je ne gâcherai pas aussi mal mon temps. Vous mériteriez l'amour d'un roi. Roi de pique ou roi de cœur ? Allons, mon cher Mirandoline, parlons sérieusement et cessons de plaisanter. Allez, parlez donc, je vous écoute. Vous ne voudriez pas cesser un instant de repasser ? Oh, pardonnez-moi, je dois absolument préparer ce linge pour demain. Ce linge vous importe donc plus que moi. Assurément. En plus, vous me le confirmez. Certainement. Parce que j'ai absolument besoin de ce linge, alors que je ne puis pas du tout compter sur vous. Au contraire, vous pouvez disposer de moi à votre guise. Mais puisque vous ne pouvez voir les femmes... Cessez de me tourmenter. Vous vous êtes assez vengé. Je vous estime. J'estime les femmes comme vous, si tant est qu'il y en ait. Je vous estime. Je vous aime et je vous demande grâce. Bien, monsieur, c'est entendu. Croyez-moi. Ne prenez pas cette peine. Vous méritez que l'on vous serve. Vous riez. Oui, je ris parce que vous vous moquez encore de moi. Oh, Mirandoline, je n'en puis plus. Oh, vous ne vous sentez pas bien ? Non, je sens que je vais défaillir. Tenez, prenez votre mélisse. Ne me traitez pas si durement. Croyez-moi, je vous aime, je vous jure. Ah, vous pardonnez-moi, je ne l'ai pas fait exprès. Ce n'est rien. Vous m'avez fait une brûlure beaucoup plus profonde. Où ça, monsieur ? Au cœur. Fabrice ! Oh, de grâce, n'appelez pas cette... Mais puisque j'ai besoin d'un autre fer. Mais écoutez, je vais appeler mon mari. Hola, Fabrice ! Un morbleu, si cet animal se monte, je lui fends le crâne. Ah, mais c'est la meilleure. Je dois me priver du service de mes gens. En plaisant un autre, celui-là, je ne puis pas le voir. Passez un peu les bornes. Excusez-moi, je suis hors de moi. Eh bien, je vais aller moi-même à la cuisine, comme ça vous serez content. Non, oh, ça c'est un peu fort. Pardonnez-moi. Je dois me passer du service de mes gens. Je ne veux pas appeler qui je veux. Je l'avoue, je suis jaloux de cet homme. Il me suit comme un petit chien. C'est comme ça parce que c'est la première fois que je sens ce qu'est l'amour. Mais personne ne m'a jamais donné d'ordre. Je ne compte pas vous donner d'ordre. Je vous prie. Qu'attendez-vous de moi ? Amour ? Compassion ? Pitié ? Un homme qui ce matin ne pouvait voir les femmes et qui ce soir demande amour et pitié. Je ne le crois pas, cela ne se peut. Je ne l'écoute pas. Crève, claque donc, ça t'apprendra à mépriser les femmes. Maudit soit l'instant où j'ai commencé à regarder cette femme. Je me suis laissé prendre au piège et c'est sans remède. Chevalier, vous m'avez insulté ! Excusez-moi, je ne l'ai pas fait exprès. C'est surprenant de votre part. En fin de compte, le pot ne vous a pas atteint. Une goutte d'eau a taché mon habit. Encore une fois, excusez-moi. C'est une impertinence de votre part. Pour la troisième fois, excusez-moi, je ne l'ai pas fait exprès. Je veux que vous me donniez satisfaction. Si vous ne voulez pas, si vous ne voulez pas m'excuser, si vous voulez que je vous donne satisfaction, je suis votre homme. Vous ne m'intimidez pas. Je crains que cette tâche me veuille partir, c'est ce qui me met en colère. Quand un gentilhomme vous demande de l'excuser, que demandez-vous de plus ? Si vous n'y avez mis aucune malice, n'en parlons plus. Je vous répète que je suis prêt à vous donner toutes les satisfactions possibles. Allons, n'en parlons plus. Le blayon de malheur. Oh, ça c'est la meilleure. C'est quand ma colère est tombée que vous faites monter la vôtre. C'est précisément parce que j'étais bien uni. Je vous pardonne, je connais votre mal. Mêlez-vous de vos affaires. Monsieur l'ennemi des femmes, vous êtes tombé dans le panneau, hein ? Moi ? Oui, comment ? Vous êtes amoureux. Moi je suis... Allez au diable. Mais à quoi bon dissimuler ? Laissez-moi tranquille, sinon je prends
Peut-être ne veut-il pas qu'on le sache, parce qu'il a peur de moi. Il doit craindre de dire qu'il est mon rival. Ah, cette tâche m'ennuie beaucoup si je savais comment la faire partir. En général, les femmes ont une espèce de terre pour faire partir les tâches. Oh, le joli flacon. C'est de l'or ou du plaqué? Eh bien, ça doit être du plaqué. Si c'était de l'or, on ne le laisserait pas traîner. S'il y avait dedans de l'eau de la reine de Hongrie, il serait parfait pour enlever cette tâche. C'est de l'eau de Mélisse. Elle fera peut-être l'affaire, essayons. Monsieur le Marquis, que faites-vous ici tout seul? Vous ne nous faites jamais, il n'a pas peur de venir nous voir. Oui, chère comtesse, je venais justement vous saluer. Qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Je vais vous le dire. Je suis un maniaque de la propreté, je voulais ôter cette petite tâche. Avec quoi, monsieur? Avec cette eau de Mélisse. Pardonnez-moi, mais l'eau de Mélisse ne sert à rien et ne ferait au contraire qu'agrandir la tâche. Mais alors que devrais-je faire? J'ai un secret pour ôter les tâches. Vous m'obligeriez en me la prenant? Volontiers. Je m'engage pour un écu à faire partir cette tâche. Il vous faut un écu? Oui, monsieur, cela vous paraît-il trop cher? Mais il vaut mieux essayer, l'eau de Mélisse. Oh, ce flacon est-il en or? Ne le voulez-vous point, c'est de l'or garanti. Elle ne distingue pas l'or du plaqué. Il est marqué. À moi, si vous le désirez. Je vous suis infiniment obligé de votre générosité. Allons, vous voulez rire? Comment? Ne vous l'avez pas offert? Écoutez en confidence. Ce n'est pas de l'or, c'est du plaqué. Tant mieux. Je l'aime plus que s'il était en or. Et puis, tout ce qui sort de vos mains, tout m'est précieux. Bon, je ne sais plus quoi vous dire. Gardez-le. Ah, tant pis, il va falloir le rembourser à Mirandoline. Que peut-il valoir? À Philippe? Ah, monsieur le Marquis est un gentilhomme plein de générosité, mais mon point, on dirait que c'est de l'or. Pourtant, il n'en est rien. Je vais le faire part à mon ami. Écoutez, en confidence, ne le montrez pas à sa Mirandoline, c'est une bavarde. Je ne sais si vous me comprenez. Je vous entends parfaitement. Je ne montrerai qu'à l'instance. À la baronne. Ah, c'est ça, à la baronne. Je crois qu'elle rit pour m'avoir soutiré ce flacon avec une belle adresse. Il aurait mieux fallu qu'il fût en or. Heureusement, il n'en est rien. Je m'en tirerai à bon compte. Si Mirandoline veut son flacon, je le lui paierai quand j'aurai de quoi. Diable, est passé ce flacon. Que cherchez-vous, mon brave? Je cherche un petit flacon d'eau de Mélisse. Madame Mirandoline le voudrait. Elle dit qu'elle l'a laissé ici, mais je ne le trouve pas. C'était un petit flacon en plaqué. Ah non, monsieur, il était en or. En or? Bien sûr qu'il était en or. J'étais là quand on l'a acheté tout ce qu'il y a. Oh, pauvre de moi! Mais quelle idée de laisser traîner un flacon en or! Je ne parviens pas à croire qu'il était en or. En or, vous dis-je. Votre Excellence l'aurait-elle vu? Moi? Je n'ai rien vu. Bon, je vais lui dire que je ne l'ai pas trouvé. Tant pis pour elle. Elle aurait dû le mettre dans sa poche. Que dites-vous, monsieur le Marquis, de la grande nouvelle? Quelle nouvelle? Le chevalier sauvage, l'homme qui méprisait les femmes, est amoureux de Mirandoline. J'en suis fort aise. Qu'il connaisse malgré lui le mérite de cette femme. Qu'il voit que je ne peux aimer qu'une personne de mérite. Qu'il souffre et qu'il crève en châtiment de son impertinence. Mais si Mirandoline le paie de retour? Cela ne saurait être. Elle ne me fera pas un tel affront à moi. Elle sait qui je suis. Elle sait ce que j'ai fait pour elle. Moi, j'ai fait pour elle bien plus que vous, en pure perte. Oh, mais Mirandoline, le cultive, le chevalier, le ripafrata. Elle a eu pour lui des attentions dont ni vous ni moi n'avons bénéficié. On voit bien qu'avec les femmes, plus on en fait, moins elles sont reconnaissantes. Quand on les adore, elles se moquent de vous. Quand on les méprise, elles vous courent après. Si cela était vrai, mais cela ne peut être. Mais pourquoi cela ne peut-il être? Comment voudriez-vous me comparer au chevalier? Mais ne l'avez-vous pas vu de vos yeux, assise à sa table? S'est-elle jamais comportée aussi intimement avec nous? C'est à lui qui réservait le linge de choix. Lui qu'on sert avant tout le monde. Et c'est encore lui qui a droit au plat cuisiné par elle. Et puis, cet évanouissement, vrai ou faux, n'est-il pas une marque d'amour manifeste? Comment? Pour lui, on mijote des ragoûts savoureux, et moi je n'ai droit qu'à de la carne et un brouet de riz gluant. Ah oui, c'est vrai, c'est faire outrage à mon rang, à ma condition. Et moi qui ai tant de pensées pour elle? Et moi qui la couvrais de cadeaux? Je lui ai même fait boire de mon vin de Chypre, ah, vin si délectable. Le chevalier n'a pas dû faire pour elle le centième que nous avons fait. Oh, soyez assuré que lui aussi a fait des cadeaux. Parviez que lui a-t-il offert? Un flacon d'eau de Mélisse en or. Aïe, aïe! Et comment l'avez-vous su? Mais c'est son valet qui l'a dit au mien. De mal en pis, c'est maintenant avec le chevalier que mon honneur est engagé. Je me rends compte que cette femme est une ingrate. Je veux absolument la quitter. Je veux quitter sur le champ cette auberge indigne. Oui, vous faites bien, partez. Mais, et vous?
qui est un gentilhomme de si haute volée, vous devriez partir avec moi. Mais où devrais-je aller? Mais je vous trouverai un logement, laissez-moi faire. Ce logement, ce sera, par exemple... Nous irons chez un de mes compatriotes, nous n'aurons rien à dépenser. Ah, n'insistez pas, vous êtes trop mon ami pour que je puisse refuser. Je me rends compte que cette femme est une ingrate. Partons d'ici, allons-nous-en. Oui, partons, oui, oui. Oh, mais pour le flacon, que va-t-il se passer? Ah, je suis gentilhomme, je ne puis commettre une indélicatesse. Mais ne changez pas d'avis, marquis. Partons d'ici. Accordez-moi ce plaisir. Et si je puis vous rendre service, n'hésitez pas. Écoutez en confidence que personne n'entende. Mon fermier tarde parfois. Ici. Mon fermier tarde parfois à payer ses redevances. Ah, vous devez peut-être quelque chose. Oui, tous ces cas. Si vous me faites ce plaisir. Volontiers, voilà 12 sequins. Oh, maintenant, c'est 13 sequins que je dois. Je veux aussi rendre son sequin au chevalier. 12 ou 13 pour moi, c'est la même chose. Tenez. Je vous les rendrai dès que possible. Prenez ce dont vous avez besoin, ce n'est pas l'argent qui me manque. Pour me venger cette femme, je paierai bien 1000 doublons. C'est vraiment une ingrate, c'est vrai. Avoir tant dépensé pour elle et m'avoir traité de la sorte. Je veux faire la ruine de cette auberge. J'ai déjà fait partir les deux comédiennes. Les comédiennes, où étaient-elles? Mais elles étaient ici, Hortense et Déjanie. Comment, c'était pas des dames de qualité? Mais non, ce sont deux artistes. Leurs camarades sont arrivés. Finita, la comédia. Oh, flacon, mon flacon. Je cours immédiatement récupérer mon flacon. Oh, pauvre de moi. Je me suis mis dans un cruel embarras. Si jamais le chevalier me retrouve, me voilà bien. Mirandoli. Oh, notre ami est là. Mirandoli. Que désirez-vous, monsieur le chevalier? Faites-moi la grâce d'attendre dans votre chambre, je suis à vous dans un instant. J'y vais. Si vous ne venez pas, gare à vous. Oh, si vous ne venez pas, gare à vous. Gare à moi si j'y allais. Fabrice. Vous avez appelé. Oui, viens ici. Je veux te faire une confidence. Me voici. Le chevalier de Ripaflata s'est déclaré. Il est amoureux de moi. Eh, je m'en suis aperçu. Ah, vous vous en êtes aperçu. Moi, en vérité, je ne m'en suis pas rendu compte. Pauvre innocente, vous ne vous en êtes pas rendu compte. Vous n'avez pas vu les mines qu'il vous faisait quand vous repassiez, ni qu'il était jaloux de moi. Non, moi qui suis sans malice, je regarde ces choses-là avec détachement. Passons. Il vient de me dire certains mots qui, en vérité, mon cher Fabrice, m'ont fait rougir. Cela arrive, voyez-vous, parce que vous êtes une jeune femme seule, sans père, sans mère, sans personne. Si vous étiez marié, il en irait autrement. Allons, je crois que vous êtes dans le vrai. J'ai pensé me marier. Souvenez-vous de votre père? Oui, je m'en souviens. Oh, quel est ce bruit? Oh, c'est le chevalier. Attendez que je sois partie. De quoi avez-vous peur? Non, je ne sais pas, mon cher Fabrice, je ne sais pas, mais j'ai peur pour mon père. N'ayez crainte, je vous défendrai. Je jure par le ciel. Par tous les diables, je ne voudrais pas m'exposer. Oh là, quelqu'un! Il n'y a personne! Mais que se passe-t-il? Je laisse ce vassal! Messieurs, je vous en prie! Laissez-moi entrer! Sera-t-il devenu fou? Allons-en! Je désire justement lui parler, ne craignez rien! Si nous sommes là! Si ça tourne mal, je file! Dieu du ciel, où est-elle? Que cherchez-vous, monsieur? Mirandoline, où est-elle? Je ne sais pas. Oh, il en a après Mirandoline, ce n'est rien. Seigneur, tu l'as trouvé! Après qui en avez-vous? Chevalier, nous sommes vos amis! Dieu du ciel! Pas pour tout l'or du monde qu'on connaisse ma faiblesse. Que voulez-vous, ma patronne? Toi, je n'ai pas de compte à rendre. Quand je commande, j'entends être servi. Je paie pour ça avec mon argent. Et je jure par le ciel qu'il aura affaire à moi. Votre seigneurie paie avec son argent pour être servie dans les choses permises et honnêtes. Mais pardonnez-moi, elle ne saurait prétendre qu'une honorable dame. Qu'est-ce que tu dis? Qu'est-ce que tu en sais? Ne te mêle pas de mes affaires. Je sais d'avance que j'y vais, ta patronne. Dégage! Vous lui avez dit de venir dans votre chambre? Vous me surprenez, monsieur! Toi! Va-t'en! J'ai dit, monsieur! Va-t'en! Sacrebleu! Et j'ai envie de courir à ma perte! T'es une créature! Me faire attendre dans ma chambre! Que diable a-t-il donc? Mais vous ne le voyez pas, il est amoureux de Mirandoline! Le moment est venu de me venger! Monsieur le chevalier, il n'est pas séant de rire de la faiblesse des autres quand on a un cœur aussi fragile que le vôtre! Quoi voulez-vous parler? Je sais d'où vient votre agitation. Vous comprenez, vous ne parlez pas? Cher ami, moi je ne sais rien. C'est de vous que je parle.
de vous qui, sous prétexte de ne pouvoir fuir les femmes, avez tenté de me ravir le cœur de Mirandoline, dont j'avais déjà fait la conquête. Moi ? Mais moi je ne dis rien ! Tournez-vous vers moi et regardez-moi, auriez-vous honte par hasard d'avoir mal agi ? J'ai honte de vous écouter davantage, sans même vous dire que vous avez menti ! C'est moi que vous accusez de mensonge ! Sur quoi confondez-vous pour dire ? Le comte ne sait pas ce qu'il dit ! Mais vous êtes un menteur ! Je m'en vais demeurer ! Et vous me rendrez raison ! Allons, calmez-vous tous les deux ! Mon cher comte, que vous importe si le chevalier aime Mirandoline ? Moi j'aime Mirandoline ! Ce n'est pas vrai ! Le dire c'est mentir ! Vous aussi vous êtes mon ennemi ! Tout le monde ! Oh, c'est indigne de se conduire ainsi ! Si vous estimez offensé, je suis prêt à vous donner toutes les satisfactions possibles ! J'exige satisfaction ! Vous l'aurez ! Chevalier, vous n'arriverez à rien ! Attendez, je me procure une épée ! Oh, par le ciel, je jure ! Vous n'échapperez pas ! Vous échappez ! Je n'ai pas peur de vous affronter ! On traite une fanfaronnade, monsieur le maître à bord ! Arrière ! Arrêtez ! Arrêtez, messieurs ! Arrêtez, messieurs, arrêtez ! Vous voyez, à cause de vous ! Comment ça ? Monsieur le chevalier, que voici est amoureux de vous. Moi, amoureux ? Ce n'est pas vrai, vous mentez ! Monsieur le chevalier, amoureux de moi ? Oh non, monsieur le comte, vous vous trompez. Je peux vous dire que vous vous trompez sûrement. Oh, naturellement, si vous êtes d'accord avec lui. Ça se sait, ça se voit. Que sait-on ? Que voit-on ? Je dis que quand cela est, ça se voit. Quand il n'y a rien, ça ne se voit pas. J'avoue la vérité. Si j'étais parvenue à le rendre amoureux de moi, j'aurais cru accomplir là le plus grand exploit du monde. Un homme qui ne peut voir les femmes, qui les méprise, on ne peut espérer le rendre amoureux. Mais je ne suis arrivée à rien. J'ai tout fait, vraiment tout fait. N'est-ce pas, monsieur ? Mais c'est comme si je n'avais rien fait. Oh, je ne puis parler. Vous le voyez, il se trouble. Il n'a pas le courage de nier. Vous ne savez pas ce que vous dites. Oh, mais monsieur le chevalier n'est pas de ces gens qui tombent amoureux. Il n'ignore rien des fourberies des femmes, de leurs artifices. N'écoute pas ce qu'on lui dit. Il se défie des larmes. Quant aux évanouissements, il s'en moque. Ils sont donc feintes, les larmes des femmes ? Leurs évanouissements sont donc mensongers ? Comment ? Vous ne le savez pas ou vous feignez de ne pas le savoir ? Je jure par le ciel, tant de fausseté mériterait un coup de poignard dans le cœur ! Monsieur le chevalier, ne vous échauffez pas, sinon ces messieurs vont vraiment dire que vous êtes amoureux. Mais bien sûr qu'il l'est, il ne peut le cacher ! Assurez-moi, on le voit dans ses yeux ! Non, je ne le suis pas ! Oh, c'est toujours à moi qu'il en a ! Non, messieurs, il n'est pas amoureux, je le dis. Je le soutiens et je suis prête à le prouver. Je n'en puis plus. Comte, vous me retrouverez plus tard ! Allons, monsieur le chevalier, demeurez. Il en va à présent de votre réputation. Cela n'est pas nécessaire. Oh que si. Ces messieurs pensent que vous êtes amoureux, il faut les détromper. Qu'est-ce qu'elle mijote ? Je vais vous dire, messieurs. La plus grande preuve d'amour, c'est la jalousie. Qui n'est pas jaloux ne saurait aimer, c'est sûr. Si le chevalier m'aimait, il ne pourrait supporter que j'appartienne à un autre. Mais il le supportera. Et vous verrez. À qui voulez-vous appartenir ? À celui auquel mon père m'a destiné. Est-ce de moi par hasard que vous parlez ? Oui, de vous, cher Fabrice. En présence de ces gentilshommes, je veux vous accorder ma main. Quoi, cet individu ? Je n'ai pas le cœur à le supporter. Bon, bah, si elle épouse Fabrice et qu'elle n'aime pas le chevalier, oui, mariez-vous et je vous promets 3 francs et 1. Mirandoline, un tiers vaut mieux que 2, tu l'auras. Mariez-vous aujourd'hui même et je vous donne tout de suite 12 sequins. Merci, messieurs, merci. Je n'ai pas besoin de dot. Je suis une femme sans grâce, sans esprit, incapable de rendre amoureux des gens de qualité. Mais Fabrice m'aime. Et moi, en votre présence, en cet instant, je le prends pour époux. Oui, traîtresse. Épouse qui tu voudras. Je sais que tu m'as trompée. Je sais qu'au fond de toi, tu triomphes de m'avoir humiliée. Et je vois jusqu'où tu veux mettre ma patience à l'épreuve. Tu mériterais d'être payé de tes tromperies par un coup de poignard dans le sein. Tu mériterais que je t'arrache le cœur et que je l'expose au regard de toutes les séductrices de ton espèce. Mais ce serait doublement m'humilier. Je fuis loin de tes yeux. Je maudis tes charmes, tes larmes, tes mensonges. Tu m'as fait connaître quel pouvoir funeste ton sexe pouvait avoir sur le nôtre. Et grâce à toi, j'ai appris à m'y dépendre qu'il ne suffit pas de le mépriser pour le vaincre, mais qu'il faut le fuir. Oh, tu viens de dire après qu'il n'est pas amoureux. S'il me dit le contraire, foi de gentilhomme, je lui lance un défi. Oh,
taisez-vous, messieurs, taisez-vous. Il est parti. S'il ne revient pas, si l'affaire s'arrête là, je pourrais dire que j'ai eu de la chance. Mais malheureusement, que trop vrai que j'ai rendu amoureux ce pauvre garçon et je me suis mise en beau drap. N'en parlons plus. Fabrice, viens ici, mon cher. Donne-moi la main. La main, doucement, madame. Comment ça ? Voilà comment vous vous amusez à rendre les gens amoureux de vous et après vous figurez que je vais vous épouser. Enfin, grand fou, c'était un caprice, une pique d'amour propre. J'étais fille, je n'avais personne pour me commander, mais à présent je vais être mariée et je sais ce que je ferai. Que ferez-vous donc ? Madame la patronne, avant de partir, je suis venue vous saluer. Vous partez ? Oui, mon maître va à la poste, il fait atteler, il m'attend avec les bagages. Je n'ai pas le temps d'attarder, je vous remercie, je vous salue bien. Oh, grâce au ciel, le chevalier est parti. Plus jamais je ne m'amuserai à ce genre de jeu. Oh, Mirandoline, que vous restiez fille ou que vous vous mariez, je demeurerai le même pour vous. Comptez toujours sur ma protection. Messieurs, voici mon mari. Doucement, madame. Comment ça, doucement? Je voudrais d'abord qu'on fasse nos arrangements. Mais quels arrangements? L'arrangement est le suivant, ou tu me donnes la main, ou tu vas au diable. Je vais vous donner la main, mais ensuite... Mais quoi ensuite? Ensuite, je serai tout à toi, je t'aimerai toujours, tu seras ma chère âme. Tenez, je n'en puis plus. Voici ma main. Voilà une bonne chose de faite. Oh, Mirandoline, vous êtes une femme remarquable. Vous avez l'art d'amener les hommes où vous voulez. Vous avez assurément des façons fort obligeantes. S'il est quelques faveurs que je puisse espérer de vous, messieurs, pour finir, il y en est une que je vous demande. Dites, parlez. Que Dieu va-t-elle leur demander? Je vous en supplie, faites-moi la grâce de trouver une autre auberge. Bravo! À présent, je suis sûr qu'elle m'aime. Oui, je vous comprends et je vous approuve. Je vais m'en aller. Mais où que je sois, soyez assuré de mon estime. Mirandoline, n'auriez-vous point perdu un petit flacon en or? Oui, monsieur. Le voilà, je l'ai retrouvé, je vous le rends. Je pars d'ici pour vous être agréable, mais sachez qu'en tout lieu, vous pouvez compter sur ma protection. Vos offres de service me vont droit au cœur. En changeant d'état, je veux changer de conduite. Vous, messieurs, faites votre profit de ce que vous venez de voir. Et si jamais il vous arrivait d'hésiter, d'être sur le point de céder, sur le point de succomber, pensez aux ruses que vous avez apprises et souvenez-vous de la locandiera.